Les abonnés, je crois que j'ai fait une très grosse bêtise. Genre une très 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 grosse bêtise. En fait, je vous explique l'histoire. J'ai reçu un mail sur ma boîte mail professionnelle pour m'informer que mon compte va être potentiellement banni. Ok, écrit bonjour. Votre compte risque d'être banni à cause de violations de règles Epic Games. Moi, j'étais là, moi, j'étais pas bien, j'étais en stress. Si votre compte est définitivement banni, vous pourriez perdre l'accès au jeu, éléments virtuels, soldes de compte ou tout autre élément que vous avez gagné ou acheté. Si vous avez plusieurs comptes, nous pourrions agir sur... contre tous vos comptes. Cliquez sur ce lien afin de vous faire débannir cordialement. Et moi, je suis... Pardon, mais là, j'utilise le terme. Vraiment, je suis... Là, je suis dépitée. J'ai cliqué sur le lien. Bien sûr que non, ce n'est pas le lien officiel. Et c'est bien sûr que non, ce n'est pas l'email officiel de Fortnite. J'espère que ce qui m'a pris, c'est pas du tout Epic Games. Donc justement, mon cas va pouvoir faire un petit peu une prévention. Ne cliquez jamais sur le lien qu'on vous envoie. Et jamais de la vie, Epic Games vous enverra un mail. Donc moi, j'ai cliqué. Et donc là, je suis dans la caca. Dans la caca. Clairement dans le caca. Je peux plus me connecter. Donc là, j'ai fait un mot de passe oublié et je reviens si j'arrive à me connecter ou pas. Mais je vous tiens au courant du coup de l'avancée de la récupération de mon compte. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais bref, n'hésitez pas à me soutenir. Mettez le pouce bleu, abonnez-vous avec la cloche. Bon, vous connaissez déjà l'intro, sans oublier le code Choco. De toute façon, je sais même pas comment je vais faire pour récupérer maintenant mon code créateur Choco parce que je crois qu'aussi on me l'a. Bon, je l'ai plus. Mais attendez, bah, avant que la vidéo débute, Choco, balance la pub. Oui, j'ai plus d'intensité dans ma voix, là je suis dépitée. Avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocolat & Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu, et bien sûr à mettre son code créateur CHOCO dans la boutique de Fortnite, C-H-O-C-O-H. Merci à vous. Je vais péter un câble, j'ai réussi à me connecter. En fait, du coup, j'ai suivi la démarche qu'il fallait faire, j'ai fait mot de passe oublié. La personne qui m'a, entre gros guillemets, hacké est totalement bête parce que j'ai pu, du coup, changer mon mot de passe avec mon email. Trop bête, j'ai jamais vu ça de ma vie. Une très grosse plaisanterie parce que, du coup, on a changé mon skin. Genre, on a retiré mon skin, la personne elle a mis un skin Bambi. Je vais voir ce qui a été changé dans mes vêtements. C'est quoi ça? Hein? Hein? Pouesca et Janky. Ça veut dire quoi ça? Pioche poisson frais. C'est quoi ça? Cercle de poisson? Tête de poisson? Attendez, non mais là faut pas être bac plus 7 pour comprendre ce qui est en train de se passer là. Mon sac à dos c'est un poisson. Mes pioches c'est un poisson. Bon ça je sais pas, peut-être la personne elle a voulu jouer avec mais elle a pas pu trouver un poisson du coup elle a rien mis. Cercle de poisson. Et les revêtements c'est un truc de poisson. Donc attendez, là, je sais pas si qui me fait une mauvaise blague ou j'en sais rien. Mais c'est très pas drôle, c'est vraiment pas drôle du tout. Mais genre, vraiment vraiment pas drôle. Attendez, je vais regarder la boutique de Fortnite ici d'un créateur, Choco. What? C'est quoi cette histoire là? Attendez, la seule personne qui aurait pu me faire un vilain prank, c'est Gros Yeux. Mais Gros Yeux, il serait incapable de faire ça. Genre, de me hacker, de m'envoyer un mail avec un lien frauduleux pour pouvoir hacker mon compte Fortnite. Je crois pas. Et puis même, il serait pas comme ça, genre... Je comprends pas, attendez, bah attendez, je vais essayer de voir s'il est connecté sur Fortnite ou pas. Est-ce qu'il est connecté sur Fortnite? Voyons voir. Est-ce que la personne a touché à mes demandes d'amis? Non, la personne, elle a pas touché à mes demandes d'amis. Bizarre, c'est trop bizarre. Est-ce qu'il est connecté, Gros Yeux? Là, j'ai tout de suite allé le voir. Non, mais là, franchement, ça me choque. Non, c'est dans les commentaires. Vous allez tout de suite me dire qui vous pensez qui a hacké mon compte. Encore une fois, prévention. Ne faites pas la même erreur que moi. Maintenant, vous savez que si vous recevez un mail comme ça, ne cliquez pas. Ne cliquez sur rien, juste supprimez le mail. Vraiment. Signalez le mail. Bon, du coup, je sais pas ce que je vais faire. J'avais dit que j'allais retrouver Gros Yeux. Où est-ce qu'il est, Gros Yeux? Possible, c'est pas possible. J'espère vraiment que c'est pas lui qui a hacké mon compte. J'espère vraiment que c'est pas lui qui en a profité pour m'envoyer un mail. Non, parce que là, c'est chaud. C'est quoi ça? Pourquoi il y a de la décoration en mode fête? Pourquoi il y a de la décoration en mode fête? Il veut fêter quoi, Gros Yeux? Il a remis toute la décoration que j'avais rangée. Mais c'est quoi tout ça? C'est quoi tous ces feutres? C'est quoi ça? Pourquoi il y a des canettes et tout? Pourquoi il y a des banderoles? Pourquoi il y a des... What? Un balai, des bouteilles? Un frigo même, il est changé? Pourquoi il y a du shampoing? Se servir du shampoing? Non, il a pas fait ça parce qu'il sait très bien que je me suis fait hacker mon compte. Pourquoi il a fait ça? Non mais là il n'y a qu'une seule solution, c'est que c'est-à-dire il a fait ça parce qu'il savait que je m'étais fait hack et dans ce cas-là il voulait profiter de mon absence pour faire tout ça. Il est où? Dans la chambre d'amis? Non. C'est sûr qu'il est dans sa chambre. Gros Yeux, tu m'exp... What? Il y a des sacs de couchage. C'est quoi ça? Un truc pour boire? Mais what? C'est quoi ça? Non, il est pas dans ma chambre. Il sait très bien que j'aime pas qu'il soit dans ma chambre. Non, il est pas dans ma chambre. Non, il est pas sur mon setup. Non, il est quand même pas sur mon setup. Gros Yeux?
Mais c'est quoi ta tête, maman? Tu fais quoi sur mon setup? Je te retourne la question. Je joue à Fortnite. À Fortnite? Non, tu viens de retirer les pages. Les pages, elles sont toutes roses. Je jouais à Fortnite, ouais. Et pourquoi les couleurs, elles sont roses comme ça, là? Pourquoi il y a des LED? J'ai fait la fête avec mes amis. Et qui t'a autorisé à faire la fête avec tes amis? Leurs parents. Et moi, hein, dans l'histoire? Mais maman, t'essayes de venir me parler, mais tu m'expliques comment ça se fait que t'as une tête comme ça? Déjà, pour ça, je te permets pas de rigoler de mon skin. Alors en fait, j'explique. J'ai eu une épreuve assez compliquée. D'ailleurs, attends, tu m'expliques, toi en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mon skin il est comme ça? Bah, je sais pas, moi, t'as des cheveux noirs qui sont courts. T'as changé de couleur de peau, t'as changé de vêtements. Non, c'est mon skin Bambi. Alors en fait, je t'explique, parce que non, gros yeux, tu sais très bien ce qui m'est arrivé en fait. Je me suis fait hacker mon compte. Quoi? T'as bien entendu, je me suis fait hacker mon compte et je sais pas pourquoi, et je sais pas par qui. Et bizarrement, quand je me suis connectée sur Fortnite, j'ai reçu quoi? Je me suis connectée et j'ai vu mon compte, c'était un skin Bambi. Par contre, tout le reste c'était des trucs poissons. Mes armes, c'est le revêtement poisson. Tout. Mes émotes, il y a des poissons. Y a tout qui est en mode poisson, tout. Je sais pas, peut-être que c'est celui qui travaille au thread shop. Tu te moques de moi, gros yeux. Mais maman, j'arrive pas à te prendre au sérieux avec cette tête. Et tu rigoles. Non, gros yeux, viens, tout de suite, on va descendre dans le salon parce que là, va falloir sérieusement qu'on parle. Parce que la seule personne qui aurait pu faire tout ça, c'est toi en fait, gros yeux. Oh, mais avec tes têtes toutes mignonnes là, j'arrive pas à te prendre au sérieux aussi. Oh non. Tu promets que c'est pas toi qui m'as fait ça? Promis, juré sur la maison. Ouais, sur la maison. Pourquoi tu te retournes? Mais gros yeux, là, c'est pas drôle. En fait, moi, je suis en train de te dire que je me suis fait attaquer mon compte, que limite j'avais 10 000 V-Bucks, mes V-Bucks ils sont partis au cacao bête, et toi, t'es en train de rigoler. Ah ouais, moi, je rigole. Attends. J'avais 10 000 V-Bucks. J'avais offert un cadeau avec un abonné. Et là, t'as un nouveau skin. Bah c'est la tenue que tu m'as achetée pour Noël. Non, gros yeux, je t'ai pas du tout offert de skin pour Noël. Hein? Attends, si? Non, gros yeux. Comment ça se fait que tu t'es... Que bizarrement là, tu as reçu un cadeau, un skin, en sachant que je t'ai pas offert de skin. Et que t'as pas reçu des V-Bucks, à ce que je sache pour Noël. Attends, j'avais d'aller aux toilettes 2 secondes. Non. Gros yeux, tu reviens par là. Gros yeux, ça sert à rien d'essayer d'aller aux toilettes. Oh, en plus, tu vas même pas aux toilettes. Espèce de gros mytho. Oh, t'es resté ici au milieu de la pièce. Gros yeux. Mais maman, arrête, t'es dégueulasse. Arrête de mentir. Non, tu te crois où là? Arrête de mentir. Laisse la porte ouverte. Non, mais gros yeux, t'essaies d'échapper à la conversation. Tu restes ici. Comment ça se fait que t'as reçu un skin? Attends, maman, 2 secondes, tu peux juste décaler un petit peu là? Ouais. Ah, ouais, 2 secondes, attends, non, pas 2 secondes. Attends, 2 secondes. Non. Si, attends. Y'a ma vraie mère qui m'appelle, attends. Il se moque de moi? Non. Non, mais tu te moques de moi. Gros yeux. Il fait le gars AFK, 100% c'est lui. Il fait le mec AFK, alors j'en suis sûr, il est là en train de m'entendre. Gros yeux. Mais j'en peux plus. Je suis sûr que c'est lui. Bizarrement. Attendez. Le temps qu'il arrive, on va retourner. Je vais changer de tenue. On est d'accord qu'on voyait tous la même chose. Le sac à dos, poiscaille, janky. Ça, le parapluie, je sais pas, c'est un parapluie de base. La traînée, cercle de poisson. Ah non, mais non. Et là, le pire dans cette histoire, c'est le revêtement. Tête de poisson. Qui met tête de poisson dans les revêtements? Non, dites-moi dans les commentaires, qui met ça? Personne. Retour, je vais lui parler, là. Je vais vraiment m'énerver. Gros yeux? Oh, je vais le tuer, il est parti. Où est-ce qu'il est parti, dans les toilettes? Où est-ce qu'il est passé? Gros yeux? Non, mais je... Oh là 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 là. Il est pas dehors, pas dans la maison. Il a pas quitté le groupe. Mais il est où? Dans la voiture, non. Ici non plus. Gros yeux, là, je vais m'énerver. Gros yeux. Pff, il
commence vraiment à me gaver. Il commence vraiment à me gaver. Il croit qu'on joue à cache-cache ou quoi? Gros dieu, tu fais quoi ici? Il fait encore le gars FK. Il fait encore le gars FK. Gros dieu, je te vois bouger. Je te vois bouger. Tes joysticks buggés là, tes joysticks cassés. Mais... je crois que je rigole en fait. Maman, désolé, y a ma maman qui m'appelle, je dois quitter Fortnite. Ouais, je dois quitter Fortnite, allons voir. Non mais non, gros dieu, on n'a pas terminé la conversation. Quittez le gros... c'est une blague en fait. Bon, dites-moi dans les commentaires, vous pensez qui m'a hacké? C'est sûr que c'est lui. Alors la prochaine fois qu'il va se connecter sur Fortnite, tu vas m'entendre, c'est sûr. Pour les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à y la zioter, ma vidéo s'affiche à l'écran. Donc n'hésitez pas à y la regarder. Je vous fais des très gros bisous.